Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir, merci à vous tous. Et bonjour à tous et bienvenue dans La Fausse Information. Notre dernière vidéo a passé la barre des 60 000 vues, donc merci à ceux qui l'ont visionné. On vous invite évidemment à nous suivre en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en regardant encore plus nos vidéos. Et cette semaine est encore marquée par la réforme des retraites du gouvernement Borne. Et pour en parler, nous sommes avec Edouard Baird. Bonjour Edouard. Bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe. Bonne année. Oui, bonne année. Alors, il est pas trop tard pour le dire, je pense. Non, ça va. La santé aussi, comme on dit. Hein. Alors, en fait, quels sont les critères pour qu'une année soit bonne? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on développe des anticorps quand quelqu'un nous dit bonne santé? Non, je ne sais pas non plus. En tout cas, dans le doute, je vous souhaite une... Je sens que cette interview va être un peu longue. Oui, je pense aussi. Hein. Oui, alors, vous vouliez nous parler de la réforme des retraites? Oui, moi, je pense qu'Emmanuel Macron, finalement, en réalité, ne va pas assez loin. C'est-à-dire? Moi, je suis contre la retraite d'une manière générale, mais je suis contre la retraite parce que je suis contre le travail, en fait. Moi, je vis de ma passion et pour moi, la retraite, vous voyez, le fait de se mettre en retrait pour quelqu'un qui essaye constamment d'être au centre de l'attention comme moi, mais c'est insupportable. Hein. Donc, j'espère que je ne serai jamais en retraite ou alors le plus tard possible. Après, je comprends les gens qui ont des métiers pénibles, hein, mais ce qui compte, c'est pas tant la durée du travail, c'est ce qu'on met dedans oui, en réalité. Mais, merci, Edouard. Sinon, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'horloge de l'apocalypse qui estime l'heure de la fin du monde a été avancée à minuit moins 90 secondes. Nous n'avons jamais été aussi proche de la fin de l'humanité. Est-ce que ça vous inquiète, Edouard Baird? Non, la fin du monde, ça m'inquiète pas. Écoutez, ce qui fait peur, c'est de partir tout seul, c'est de laisser sa famille sur Terre, alors que nous, on monte dans les cieux. En réalité, si on migre tous ensemble vers les cieux, c'est plus un problème. En réalité, on va juste déporter notre mode de vie terrestre pour un mode de vie céleste. On va retrouver nos proches, on va pouvoir poser des questions à Jésus, à Louis XVI, à Carlos. Non, je pense qu'il y aurait une bonne ambiance si on est tous ensemble. Oui. Pensez que vous irez au paradis, vous ? Oh, bah, je n'ai pas toujours été parfait, hein. J'ai eu quelques écarts. J'essaye d'être quelqu'un de bien, ou du moins pas trop mauvais. Oui, un peu plus concis peut-être. En tout cas, on reçoit un autre invité pour la première fois qui lui vient du paradis. C'est Jean-Paul Belmondo. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe. Alors la réforme des retraites, vous êtes pour ou contre? Je suis contre, mais je suis pour le travail. J'ai fait des cascades jusqu'à mes 65 ans. J'ai fait des films jusqu'à mes 85 ans. Moi j'ai toujours travaillé, moi j'ai toujours bossé. Donc vous êtes pour? Non mais Valentin, mes 70 ans de carrière, je les ai fait pour mon public. Ce que les politiques et les technocrates vous ayez appelé la populace, vous voyez. Je bosse pas pour réparer les conneries d'un Gugus à rouflaquette qui, sous prétexte qu'il s'est émarouché avec la prof de français, peut me donner des leçons. Vous avez pas peur de vous faire des ennemis en disant ça? Je les emmerde. Je les emmerde gentiment, affectueusement, avec amour. Mais je les emmerde. Ah, merci Bébel, ça a au moins le mérite d'être clair. Notre dernier invité, notre Allemand préféré, il s'agit de Klaus Schwab. Bonjour Klaus. Ja, guten Tag Valentin. Vous avez l'air en colère, c'est parce que c'est la fin du forum de Davos? Nein, parce que je voulais interdire la matinale complotiste ligne droite et je n'ai pas réussi. Vous voulez nous interdire, c'est ridicule. Parce que de ma gueule, vous vous foutez tout le temps. Vous me présentez comme un vieux patapouf autoritaire. Mais je suis un gentil Valentin. Je veux juste pouvoir tracer les gens. Je veux récolter des données. Oui. Je veux les protéger pour qu'ils soient en bonne santé. Oui. Je suis un gentil, Valentin. Oui, mais ça dit pas pourquoi vous voulez nous interdire. Parce que je veux encadrer la parole démocratique. Ce que vous dites n'est pas gentil. Ce sont des discours de haine. On vous donne la parole, là, non? Mais vous m'invitez pour de ma gueule vous foutre. Je suis très blessé que les gens ne comprennent pas mon livre, que je veux leur bien. Bon, Klaus, on vous sent un peu capoute. Hein. Pour vous faire plaisir, on vous a écrit une petite chanson sur Davos. Vous voulez écouter? Ya. Yeah. Bah, c'est parti, on l'envoie. Tous les banquiers. Tous. En janvier. Il fait froid. Se réunissent. Tous ensemble. En Suisse. Ah, la Suisse. Pour réfléchir. À quoi? À la vie. À la vie. Au profit. Profit de qui? Et nous en bas. Nous en bas. Quand on voit. Oui, on voit quoi? Tout ce tintouin. On pense tout bas. Nos amis de Davos nous emmerdent. Passe sanitaire. Dose Pfizer. Le cinquième. Passe carbone. Tu pollues. Droit de l'homme. Vers la lumière. Vers la paix. En Ukraine. Vers le bien. Oh oui, le bien. Et nos petits gens. Les prolos. Les sans-dents. Les poivrons. On les insulte en grognant. Nos amis de Davos
nous emmerde. Leurs relations, ah, leurs relations sont vraiment sont haut placées, trop haut placées, décorées, trop décorées, influents, très influents, bedonnants, très bedonnants, des gens bien, très très bien. Ils sont sérieux, trop sérieux, mais parbleu, oui parbleu, on entend toujours les gueux. Nos amis de Davos nous emmerdent. McKinsey, Moderna, Amazon, Jeff Bezos et Tesla, Elon Musk, le FMI, Dominique Strauss-Kahn, Microsoft, Monsanto, ces braves gens, les sans-dents, vont répéter encore longtemps, nos amis de Davos nous emmerdent. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.